Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui va se dérouler en deux parties. Donc la première partie, on va se retrouver 2 semaines en arrière quand on s'est tapé 20 cm de neige. On en a profité pour travailler un peu à l'intérieur. On a scié les 2 dernières entrées de 10 mètres et les linteaux qui nous restaient à scier. Donc pour ça, on va se retrouver chez mes parents parce que mon père est équipé d'une scie pour scier les arbres. Et après, on passera à la deuxième partie de la vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Allez, c'est parti!
Allez, ça y est, du coup, on est parti pour la partie FAQ. Du coup, vous avez été nombreux à me poser des questions, donc je vais essayer de répondre à toutes. Je vais faire de mon mieux et puis c'est parti. Il y a certaines questions, du coup, que j'ai regroupées parce que c'était plus ou moins les mêmes, donc je vais essayer de répondre à tout. Allez, pour commencer cette FAQ, du coup, on va grouper plusieurs questions. C'était surtout sur nos métiers, nos parcours, toutes ces choses-là, si on continuait de travailler à côté. Donc j'ai regroupé un peu toutes ces questions et je vais tout y répondre du coup. Donc moi, mon métier, là, au moment où je vous parle, on est en avril 2022. Donc ça fait 7 mois que je suis charpentier. Donc je ne suis pas charpentier à mon compte, je travaille dans une boîte de charpente. Donc c'est pas du tout mon métier à la base, c'est un métier que j'apprends sur le tas. Donc ou sur le toit, comme on dit en charpente. Du coup, j'ai vraiment aucune connaissance en charpente, donc petit à petit j'apprends. Pour le moment, je suis incapable de tailler une ferme, donc c'est pour ça que sur la partie charpente de la maison, tout ce qui est taillage des fermes et pose des gros bois, donc des fermes, des pannes, c'est pas moi qui vais y faire, c'est un charpentier et nous on va poser tout ce qui est chevron, voliges, delta, litho, tuiles. Donc voilà, ça fait 7 mois que je suis en charpente. Sinon, avant ça, j'ai travaillé pendant 6 ans de nuit en usine. Donc un métier qui me ressemblait pas vraiment au final, parce que maintenant que je suis en charpente, je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qui me plaît vachement mieux, quoi. D'être dehors, de bouger. Certes, des fois c'est compliqué, on est au froid, l'été on est au chaud, mais c'est vachement plus agréable. Pour moi, c'est mon avis après. Donc avant ça, ouais, donc 6 ans en usine. Et encore avant, sinon j'ai vachement travaillé dans le milieu agricole. Donc mes parents et mon frère sont paysans. Donc ils ont une petite ferme de montagne laitière. Donc ils fabriquent du fromage et tout. Donc c'est là que j'ai beaucoup appris avec mon père tout ce qui est maçonnerie, gros œuvres. Parce que mon père a rénové plusieurs maisons, il a autoconstruit ses bâtiments agricoles. Donc j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Quand j'avais 14-15 ans, des fois je voulais aller jouer avec mes potes et tout. Mais mon père me disait non, faut que tu viennes m'aider, faut qu'on a des moellons empilés et tout. Donc sur le coup ça me faisait chier, mais 10 ans plus tard, je suis bien content parce que ça m'est carrément utile, quoi. Donc papa, si tu regardes cette vidéo, gros merci. D'ailleurs mon papa, que vous avez vu en début de vidéo, qui m'aidait à scier les entrées et le reste de la charpente. Dans le milieu agricole, j'ai appris plein d'autres choses que la maçonnerie aussi, parce qu'on se débrouille tout le temps soi-même. On fait de la mécanique, on fait de l'électricité, il y a une fuite quelque part, et ben on fait un peu de plomberie. Il y a des machines qui cassent, on fait de la soudure, enfin on fait plein de choses et c'est vrai que c'est une bonne école, on apprend, on touche à tout, quoi. Et sinon, bah ouais, on a tous les deux, pour Clara, elle est manipulatrice radio et on a tous les deux du coup un métier à plein temps. Donc la rénovation, c'est en dehors de nos heures de travail. Donc des fois c'est un peu compliqué à gérer. Là, la nouvelle heure ça va bien, on rentre les soirs, il fait jour encore tard, donc on peut avancer sur le chantier. Mais sinon, c'est vrai qu'en plus de nos heures de travail, le chantier, si on veut garder du temps pour nous, pour nos amis, la famille, on est jeune, quoi, on aime encore faire la bringue et tout. Des fois les dimanches matins, on peut pas toujours être au chantier parce qu'on a encore mal à la tête de la veille, mais on arrive quand même à tout gérer et c'est cool. Après, question sur la maison. Bonjour, petite question. Où sont vos limites de la rénovation? Dans quel domaine vous interviendrez par vous-même? Comment allez-vous faire face aux limites s'il y en a? Appel à des amis, à des professionnels. Bravo pour ce projet et pour le temps de travail déjà abattu. Tout d'abord, merci. Alors du coup, où sont vos limites de la rénovation? C'est compliqué à dire parce que c'est notre première rénovation. Moi, je suis très curieux, je m'intéresse à tout, donc j'ai envie de me lancer un peu dans tout, mais il y a des choses que pour le moment on va laisser faire. Ce qui est électricité, je sais pas faire, donc j'y laisse faire. Et après, on a des aides environnementales, donc tout ce qui va être plomberie, isolation, pose des menuiseries, tout ça, ça va pas être nous, on va y faire faire. Et après, tout le reste, ça va être nous, quoi. Donc carrelage, cloison intérieure, pose des parquets, cuisine. Pose des toilettes, salle de bain, et encore énormément de choses que ça va, c'est nous qui allons les faire. Alors, autre question sur la maison. Salut, tout d'abord, bravo pour ton courage et ton savoir-faire. Merci. Petite question, pourquoi ne pas avoir décaissé l'autre partie de la maison à côté de ton atelier? Donc là, c'est la partie juste en dessous. Donc on l'a pas décaissé pour le moment, mais c'est prévu en fait. C'est qu'on n'a pas eu le temps, on s'en est pas occupé. On a préféré faire d'abord la dalle en premier. Donc c'est prévu, ce sera décaissé. Hop, nouvelle question. Donc très beau projet et super vu. Avez-vous une date pour la fin des travaux ou une date d'aménagement en tête? Donc une date de fin de travaux, on s'en était mis au début. Au début on s'est dit oh, on en aura pour 2 ans, peut-être un peu plus et tout, mais finalement c'est impossible. Une rénovation comme ça, déjà on va y aménager dedans, c'est sûr que ce sera pas fini à 100%, même moins de là. Donc on n'a pas de date d'aménagement, on n'a pas de date de fin de travaux, on y va plus ou moins au feeling et on avisera, quoi. Alors, une idée du budget d'achat de la propriété et de la surface. Quel budget de travaux annuels sommairement et comment financez-vous cela? Économie, prêt bancaire. Alors, pour vous donner une idée, le prix, c'est pas bien représentatif parce que chaque région de France est différente. Nous, ici, le premier commerce, il est à 20 minutes en voiture. Donc on est vachement coupé du monde. Mais pour une maison comme la nôtre, si on compte vraiment tout ce qui est couvert, les dépendances et tout, on a quasiment 600 m² de bâtiment. On a 7000 m² de terrain. On en a eu pour 65 000 euros.
hors frais de notaire. Les frais de notaire, je sais plus pour combien il y en avait, mais c'était, je dirais une connerie. 65 000 euros du coup. Et après, pour le budget travaux, on remet 200 000 euros en plus dedans. Salut, tu as prévu quoi comme système de chauffage VMC par rapport à tes volumes? Alors, pour le moment, la VMC, normalement, on partirait sur une simple fût. On n'a pas mieux regardé que ça, mais normalement, ce sera une simple fût. Et pour le chauffage, ce sera une chaudière à plaquettes. Donc, plaquettes ou bonnet chité, je sais pas, ça dépend, les gens y appellent tous différemment. Donc, une chaudière à plaquettes, c'est pas très répandu en ville, je pense, parce que il faut vachement de la place quand même. Nous, on aura un silo à plaquettes, du coup, qui va faire quasiment 40 mètres cubes. Donc, c'est une chaudière qu'on a déjà, qu'on connaît pas mal, parce que mes parents ont déjà ça. Il chauffe avec une fromagerie qui fait 400 mètres carrés, donc pour nous, nos volumes, on n'aura aucun souci à chauffer avec une chaudière comme ça. Quel âge as-tu? Donc moi, j'ai 29 ans et Clara a 24 ans. Dans quelle région êtes-vous? Donc nous, on est dans la Loire, en zone de montagne. Avez-vous déjà une idée précise de l'aménagement de votre grand terrain? Alors nous, on n'a pas une idée précise, mais on sait qu'on veut un grand verger, on veut un grand potager et tout, on aimerait bien avoir des poules, des lapins, des ruches, on a plein d'idées en tête, mais pour le moment on n'y réfléchit pas trop, on se concentre au maximum sur les travaux. Quoi. On a déjà planté des fruitiers, c'était le cadeau d'anniversaire de Clara, mais on espère bien en planter d'autres aussi. Hello, pendant vos vidéos, on aperçoit d'autres bâtiments, sont-ils à vous aussi à l'occasion d'une petite visite guidée? Alors non, du coup, nous, vraiment ce qui nous appartient, vous le voyez tout le temps dans les vidéos, des fois vous voyez une maison sur le côté, c'est pas la nôtre, c'est celle d'un copain à moi. Nous on habite pour le moment juste un peu plus loin. On est en location et du coup c'est vraiment cool, on est à côté du chantier pour rénover et ça c'est vraiment top. Ça nous fait vraiment gagner un temps fou parce que même pour une heure eh ben, on peut venir faire une petite bricole et tout, on n'est pas non plus à des kilomètres quoi, donc on est à 100 mètres de notre chantier, c'est royal. Quel est le type, modèle, référence, année, etc. et la capacité de ta grue? Alors sur la grue, il y a eu quelques questions aussi, donc si on l'avait acheté ou si c'était loué, donc on l'a acheté cette grue. Donc elle a une flèche qui fait 17 mètres de long et en bout de flèche, elle peut lever 500 kg. Donc c'est une grue de la marque Potain et elle est de 1983. Donc elle a quasiment 10 ans de plus que moi. Salut, super projet que vous avez. Petite question, d'où sors-tu tout ce matos? Alors tout ce matos, eh ben, je l'ai acheté au fil du temps. Donc vu que j'adore bricoler, que c'est vraiment un loisir pour moi, une passion, petit à petit, je me suis équipé. Puis j'avoue que j'achète facilement des outils quand même. J'adore tout ce qui est électroportatif, j'adore travailler avec du bon matériel. Donc j'ai tendance à acheter des outils un peu vite. Dès que j'ai besoin d'un outil, je réfléchis pas 15 ans, je l'achète assez rapidement. Je me dis pas, oh c'est bon, pour cette fois je vais m'en passer et tout. En général, j'achète tout de suite et puis les fois d'après, ben, je suis pas bloqué. Après, en général, je tape tout le temps dans des outils professionnel parce que j'ai toujours travaillé avec ça, j'ai jamais été bien déçu. J'ai attaqué avec Makita, donc j'ai plusieurs batteries, mais j'ai d'autres marques et tout, j'en suis très content. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Depuis le début de la rénovation, tu en as eu pour combien d'euros? Donc là, tout de suite en tête, j'ai pas une idée précise de pour combien on en a eu pour le moment, mais le gros œuf, c'est pas ce qui coûte vraiment le plus cher parce que surtout en rénovation d'un bâtiment en pierre, acheter du ciment, de la chaux et du sable, c'est pas ce qui coûte énormément cher. Après, la dalle, on en a eu pour un peu plus de 10 000 euros. Les tuiles, on en a eu pour 10 000 euros, c'est pareil, on a acheté nos tuiles, on a vachement en avance avant que les prix augmentent. Donc pour le moment, à part la dalle et les tuiles, on n'a pas eu d'autres grosses dépenses. Il coûte du snitaki du snitus. Oui. Bonjour, déjà super travail. Avez-vous des plans 3D de votre projet finalisé? Donc non, on n'a pas de plan 3D. On a des plans d'architecte, mais sur papier, c'est tout. Mais sinon, pas de plan 3D. Donc voilà pour cette FAQ. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc on pourra se retrouver dans les semaines qui suivent pour la suite des arasements, et puis continuer, et puis poser ce toit rapidement, qu'on puisse être à l'abri. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!